mais nous ne pouvons pas prétendre dire que nous sommes des dieux et que nous n'aimons pas, ou que nous aimons et que nous ne sommes pas des dieux. Non, Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible nous montre que Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes donc dans le livre de Jean 3:16. Dieu aime tellement le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde tellement. Mais le monde est mauvais. Le monde en retour n'a pas aimé Dieu. Mais est-ce que l'amour de Dieu pour le monde a changé? Non. Dieu, il aime le monde. Nous comprenons en réalité que l'amour, comme tel Dieu nous la présente, n'est pas conditionné à la personne que nous aimons ou aux actes de retour de la personne que nous aimons. C'est vrai que dans la nature humaine, on a parfois des manquements, des situations même où parfois la personne que nous sommes censés de présenter l'amour ne nous remet pas réciproque. Et nous avons envie d'échanger. Et même parfois, quand quelqu'un aime l'autre, parfois même c'est celui qu'on a aimé qui décide de dire, mais pourquoi il m'aime, et qui fait des choses comme pour autant refuser l'amour qui lui est présenté. Je voudrais enlever quelques, on va dire, malentendus. L'amour n'est pas synonyme du sexe, forcément. Parce qu'ici, nous pouvons voir un père qui aime son fils, un père qui aime sa fille. Nous pouvons voir, donc quelqu'un peut te dire, je t'aime, sincèrement, je t'aime de tout mon cœur, mais cela n'est pas synonyme du sexe. Parce qu'aujourd'hui, dans notre entendement de l'amour, nous l'avons tellement trop collé au sexe, que nous pensons qu'en réalité, aimer quelqu'un est synonyme d'avoir une relation de rapport sexuel. On va faire direct le lien. On va faire direct le lien en disant, non, tu es un homme, tu ne veux pas trop rester avec une femme, mais comment telle femme-là aime trop tel frère. Non. L'amour n'est pas synonyme du sexe. Deux personnes du même sexe peuvent s'aimer. Ça n'a rien à voir avec le sexe. J'aurais bien voulu parler de l'amour agapé, l'amour aphilao, l'amour et puis de sortes d'amour, mais ce n'est pas de ce que je veux parler aujourd'hui. Moi, je vais me câbler sur l'amour agapé, l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a présenté à nous et celle qu'il nous demande de nous aimer également, parce que il dit non seulement Dieu nous aime, mais Dieu nous encourage à nous aimer. Et je vais aussi toucher que même quand nous sommes un couple, nous sommes un mari et madame, un monsieur plutôt, mari et femme, monsieur avec sa dame, vous avez en vous plusieurs amours. Vous ne partagez pas seulement l'amour, le fait que vous vous aimez et que vous partagez le lien sexuel qui vous unit, mais vous avez aussi l'amour agapé. Et très souvent, quand on parle dans les couples, la différence qu'il y a, c'est que les gens ne comprennent pas que l'amour agapé, l'amour de Dieu fait résister le couple. C'est l'amour agapé là, l'amour de Dieu. Quand on encourage les jeunes chrétiens à se marier avec des chrétiens et des chrétiennes, ou encore ceux qui comprennent le principe des chrétiens, c'est parce qu'ils ne sont pas seulement sur le cadre de l'amour sexuel. Il y a aussi agapé. Cet amour agapé qui a la capacité de supporter l'autre, de l'aimer malgré ses défauts. Ça va surpasser, ça va donner du tonus à votre foyer. Ça, ce n'est pas l'amour avec des intérêts. Et je disais que je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu parler d'un Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils. Mais quand on regarde le monde qu'il aime, est-ce que c'est réciproque? Non. Nous voyons Dieu qui parle à Israël et qui appelle Israël comme étant un peuple adultéiste. Il présente l'infidélité d'Israël. Mais l'amour de Dieu pour Israël n'a jamais changé. C'est de cet amour, quand Dieu parle de l'amour qui ne soupçonne pas le mal, de l'amour dans le livre de Corinthiens, qui est l'amour qui n'en vit pas. Il parle de cet amour agapé.
Et c'est très souvent un amour qui présente celui qui aime comme étant supérieur à celui qui est aimé. Vous comprenez un peu? Dieu est supérieur. Il ne peut pas venir vous envier. Dieu ne peut pas être jaloux de vous. Voyez-vous, si vous vous aimez de manière à l'amour agapé, face à votre partenaire, c'est-à-dire votre mari, votre femme, ça vous place à une position supérieure qui fait que tu ne peux pas l'envier parce que tu estimes que c'est la personne que tu aimes. Et c'est cet amour-là que Dieu a présenté à nous qui fait qu'il y a beaucoup de principes que parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Je vais aller doucement. Regardez. On dit Jésus a payé pour notre péché sur la croix. Mais nous péchons toujours, non? Nous péchons toujours. Il pouvait se fâcher pour dire, j'ai tout payé, mais pourquoi vous continuez? N'est-ce pas? Mais quand il va plus loin, vous dire, l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que son amour ne voit même pas le péché que vous faites. C'est ce qui est un sujet de scandale pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand, comme ils ne connaissent pas Dieu, dans leur façon de voir et de faire, ils pensent que, bon, sûrement, si on regarde bien, Dieu ne peut pas pardonner comme ça. Mais ils le raisonnent avec le comportement et avec des réflexions humaines, pas Dieu. Oh, quand Dieu vous donne son amour agapé, ça fait de vous un autre homme. Et je vais vous le soutenir par le verset biblique, bon, le passage biblique que je vais citer. Il dit ici ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, c'est que vous êtes un Dieu. Et donc, si vous êtes Dieu, vous avez la nature de Dieu. Par conséquent, la nature de Dieu vous place supérieur et vous amène dans cette nature d'amour. C'est-à-dire dans l'amour qui consiste à être supérieur à autrui. Parce que dans la nature d'un être humain, il y a les choses des êtres humains. On est d'accord? Il y a les qualités des êtres humains. C'est comme les chiens. Quelqu'un, si vous avez un chien à la maison, vous prenez peu importe les chiens, vous allez voir qu'ils ont un comportement qui est le leur. Par exemple, vous le servez dans l'assiette, mais jetez l'os à côté. Vous allez voir que le chien aura tendance de courir à l'os et de laisser son repas dans l'assiette. On est d'accord? Ça, c'est son comportement. Donc, Dieu, l'amour de Dieu ne souffre de rien envers nous. Le sujet même le plus scandaleux, que les païens ne comprennent pas, ils se disent, mais attends, comment les gens qui pêchent tout le temps là, ils vont aller au ciel? Il y a un qui allait plus loin en disant, voilà Salomon avec ses 1000 femmes, lui il est au ciel. Moi j'ai trompé ma femme, j'ai commis l'adultère avec une seule, je vais aller en enfer. Est-ce que Dieu est juste? Ouais, Dieu est juste. Salomon avec ses 1000, il a confessé. Salomon avec ses 1000, il a la nature de Dieu. Toi tu as quoi? Ouais, la logique est même simple. Il y a un avocat. On vous dit, il y a un avocat qui peut vous soutenir. Toi-même, tu te lèves, tu dis, je conduis ma vie moi-même. C'est-à-dire, je conduis ma défense. Moi-même, je vais me mettre devant Dieu et je me défends. Pendant qu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui est le défenseur, il est là, il va te défendre. Tu dis, non, moi. Mais tu ne connais pas les règles de la justice. Tu n'as jamais fait le droit. Et donc, quand le procureur et l'avocat de la défense, du plaignant, va commencer à étaler les choses, tu serais surpris. Tu serais surpris parce que tu vas vouloir réagir avec la colère, commencer à crier non, ils sont injustes. Mais regardez bien. Nous-mêmes, on chante. Il a tout accompli. Oh, il a tout accompli, n'est-ce pas, non? Jésus a payé où? Ok. À la croix. Il y a les cantiques pour tout ça.
Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. C'est bien de dire il agira. Tout est tout payé. C'est les citoyens des États-Unis qui connaissent bien ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas si, Pasteur Alexis, peut-être cette loi aussi avec la France, payer la commission. Ce qu'on appelle les frais de... comment on appelle la ça caution. La caution. Regardez. On dit, il a tout payé. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai tué quelqu'un devant vous tous. Vous avez vu, j'ai tué. On m'amène, on m'arrête. On m'amène au commissariat. Le commissariat va me déférer à la grande prison, n'est-ce pas? Mais avant de me déférer, ma famille a de l'argent. Ils viennent, ils payent la caution. Parce qu'on fixe une caution. Et si on dit que la caution est, par exemple, 4 millions, ma famille a de quoi payer, ma famille paye cash. Mais je sors de la prison. En fait, je serai jugé, mais je ne demeure pas en prison. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pourquoi? Mais parce que ça a été payé. Mais quand vous allez prendre quelqu'un qui ne connaît pas cette réalité, que ça existe sur la terre, il va commencer à crier, oh, l'injustice, oh, voilà quelqu'un qui a tué l'autre, on l'a mis dehors. Mais non, il faut connaître comment le tribunal fonctionne. Quand la caution est payée, il doit être avec sa famille chez lui, il n'attend que le jour du jugement. Ce n'est que si le tribunal ne fixe pas la caution, quel que soit ton argent, tu vas en taule. Mais si la caution est fixée, tu ne vas pas en taule. Si elle est payée. Et Christ a payé pour qu'on ne va pas en prison. Et après, il vient encore accomplir une autre tâche. Ce qui nous justifie. Il est notre avocat. Il prend défense. Et du coup, il nous acquitte. Voilà un coupable. Non seulement il ne va pas en taule parce qu'on a payé. Et ensuite, le gars ne fait pas la prison parce que son avocat est un grand. Il a eu pour lui. Regarde, il est coupable, il a bien tué. Mais l'avocat arrive, il dit, est-ce que quand vous regardez ce gars, il peut tuer quelqu'un? On dit non. Il dit, voilà, c'est l'arme. C'est l'arme qui a tué, c'est pas lui. C'est l'arme. Monsieur le Président, mon client n'a jamais tué, c'est l'arme. Mais c'est la faute des blancs qui ont fait l'arme. Et puis, monsieur le Président, vous savez comment l'arme là s'est retrouvée dans ses mains? Mais même lui-même, il ne connaît pas, monsieur le Président. Il doit avoir quelqu'un qui était dans la salle ce jour, qui a amené l'arme. Et comme il était menacé, monsieur le Président, n'étant plus en lui, contrôlé par d'autres esprits, c'est pas lui. C'est pourquoi quand il est revenu lui-même, il m'a avoué. Il a dit, je ne savais pas ce que je fais. Et là, le jury que vous voyez là, ils sont là, touchés par l'émotion. Quand on leur dit, maintenant, allez-y juger. Il dit, non, là, il n'est pas coupable quand même. Et tu sais, il a tué. Regarde le jury. Vous avez pris la décision, oui. Non coupable. Mais vous qui avez perdu le parent, vous criez, mais c'est lui. Donc on vous dit, faites appel. Faut aller réécrire, vous envoyez au tribunal si vous voulez qu'on revienne. Oui. Vous refaites le dossier, vous replacez l'argent, on vous convoque. Mais le gars, il est bien avec le même avocat. Il vous donne du jus. Parce que toi, tu n'as pas d'avocat. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus est l'avocat de ceux qui ont donné la vie à lui. Il dit, déposez-moi votre fardeau. Vous savez, quand un avocat arrive, la première chose, quand vous êtes coupable, il dit, dis-moi, raconte-moi le récit. Parce que quand tu racontes toute l'histoire, il montre un scénario autour. Il montre que toi, tu n'es pas coupable. Mais quand tu le caches, tu as les points d'ombre qui montrent que tu, ce que tu as fait, tu as peur de lui dire. Quand maintenant on va juger et que les autres connaissent le point là, en plein juge, ils disent au président du tribunal, monsieur le président, l'arme que vous êtes en train de dire là, le gars était parti cacher ça avant. Et que ton avocat ne savait pas.
On te pose la question là, tu avais caché l'arme. Oh oui, je savais qu'on devait se retrouver là-bas. Ton avocat, il va te, la question qu'il va te poser à la fin, c'est que tu m'avais caché cette partie. Parce que lui, il était capable de démontrer qu'au fait, il a amené l'arme avant, connaissant que les autres étaient dangereux. Ah oui, l'avocat m'a dit, mon client est parti un jour avant de déposer l'arme, sachant que ce qui devait arriver, monsieur le président, vous savez, ce jour-là, on ne les a pas fouillés. Certains n'ont rien fait, mais ce n'est pas qu'ils n'avaient pas les armes avec eux. Moi, on vient de dire que dans le groupe de ceux-là qu'on a tiré, il y avait d'autres qui avaient les armes. Vous criez, c'est là que quand il parle, quand il a fini, le jury est obligé d'accepter ou pas. Et dans notre cadre, on dit que Dieu n'écoute que le langage de son fils. Et c'est là où j'interviens souvent en disant aux chrétiens, il dit, la combine est spirituelle. Ah, vous allez me dire, mais comment parler? Oui, la nuit, Dieu voit comment les sorciers tuent les gens, la nuit. Quand ils tuent les gens là, Dieu voit. Mais Dieu ne prend la part que si on touche un moins. Oui. Donc Dieu voit tout, il entend tout. Quand il y a un complot de quelqu'un qu'on va tuer, Dieu entend. Dieu voit ceux qui font le complot. Mais Dieu ne va pas intervenir si vous ne lui appartenez pas. Parce que vous avez fait votre choix. C'est que Dieu donne à tout le monde. Il y a la pluie, il y a le soleil. Hein? Vous plantez, ça pousse, ça c'est pour tout le monde. Mais l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand on dit l'ange de l'éternel, ce n'est pas les anges, c'est Jésus. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est l'ange de l'éternel. Il faut que j'enlève ça. Parce que maintenant, depuis un temps là, on vous enseigne que chaque homme a ses anges. Et que les anges là, ils viennent vous garder. Ça, je ne connais pas qui vous a enseigné ça, mais c'est faux. Voilà. C'est Dieu qui peut décider d'un ange à vous garder ou pas. Ou lui-même Dieu. Moi, je compte sur la protection de Dieu. Et non, les anges. Ah non, tu vois, si Dieu me garde, c'est plus mieux que les anges. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si les anges mangent ou quoi. Mais s'il s'est déplacé parce qu'il a une préoccupation, les anges ne voient pas tout. Ils n'entendent pas tout. Mais Dieu, il voit tout. Il entend tout. Voilà. Et il connaît quel ange il faut envoyer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que l'ange là, j'ai un ange qui est toujours avec moi, qu'on appelle l'ange gardien. Mais là, j'ai Dieu qui m'envoie les anges quand il veut, où il veut, selon le besoin. Même il y a des moments où je marche seul, Dieu seul me suffit. Donc vous pensez quoi? Que les anges, ils ont seulement le temps de veiller sur nous. Donc les anges se baladent avec nous. Il n'a plus rien à faire. L'ange n'a rien à faire que se balader avec vous. Vous allez à l'école, il parle. Vous allez au champ, l'ange là aussi avec vous, non? C'est votre ange. Je sais qu'on vous a dit non. Votre ange là, vous mangez, vous assiste. C'est votre gardien. Donc l'ange n'a pas un autre travail que d'être votre gardien. Vous l'appelez même l'ange gardien. Non, l'amour de Dieu est au-delà de tout ça. Dieu est amour. Le livre de Jean. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. Celui qui est de Dieu doit aimer. Alors, je vous dis, ça ne se discute pas. Dieu n'a pas dit, tu peux aimer. Comme tu peux ne pas. Non, 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 tu dois aimer. Tu dois aimer. Même si c'est en pleurant, tu dois aimer. Et puis Dieu, le gars là, il nous cache. Il nous cache. Il dit, quand ton ennemi a faim, accorde l'amour, donne-lui à manger. Quand l'ennemi a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est l'amour qui fait ça. L'ennemi là, le gars qui t'a raté hier, je ne parle pas de hier dans le passé. Hier, tu passes par chez lui, fusil, tu. Toi, c'est ton ennemi, je te fouille si tu tues. Le lendemain, il vient, il dit, ah papa, les enfants là-bas n'ont rien à manger, même moi-même et tout. Tu prends le riz, tu donnes. Oh, tu as l'occasion. Parce qu'il est rentré dans ta barrière. Tu lui dis, achète-toi, tu danses d'abord. C'est toi-même qui es venu. C'est toi-même, tu fermes la porte. Tu lui dis,
Si tu m'as raté, moi, je ne te raterai pas. Vous connaissez le dicton, non? Vous voyez? Mais Dieu dit, donne-lui à manger. Donne-lui à boire. L'amour, elle n'en vit pas. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Vous savez, parfois, en tant qu'homme, nos interprétations nous mettent souvent à côté. Depuis un moment, je me fais très attention avec les interprétations. C'est-à-dire, ce qu'on ne m'a pas dit de manière claire, là, je n'interprète plus. Parce que parfois, quand tu essayes de... Je vais regarder, par exemple, le pasteur Lebogo. Il parle, et puis je fais l'approche à ce qu'il dit, j'ai de lui, et puis j'essaie de comprendre ce qu'il ne m'a pas dit dans ce qu'il a dit. C'est dangereux. En fait, vous êtes en train d'aider le diable dans cette façon de faire. Parce que le diable, c'est quoi? Il va dire, oh, mais c'est là où les idées viennent. Il te dit, moi, tu vois, ce qu'il ne t'a pas dit, c'est ça. Mais ce qu'il t'a dit là, c'est même rien à côté de ce qu'il ne t'a pas dit. Voilà, la tête va commencer à défiler. Ta manière de voir le frère va s'obscurer. Et là, ça devient un problème. Vous voyez, c'est comme quand vous comprenez qu'un monsieur a tué sa femme ou une dame a tué son mari. Ça arrive à ce niveau. Vous vous aimez, vous vivez ensemble, vous êtes dans la maison ensemble. Et puis, à un moment donné, il reçoit un coup de fil. Et puis, il sort de la maison. Il va répondre, oui, alors? Oui, voilà, tout de suite. Il revient. Je dis, bon, chérie, j'arrive. On vient de m'appeler là. Bon, maintenant, pose-lui la question. Mais toi, tu réponds maintenant le téléphone là-bas. Qui t'a appelé? Et puis, il te dit, non, c'est ta belle-sœur, ma sœur là. Tu connais là où on habitait là et tout. C'est elle qui m'a appelé. Vous savez qu'il y a un problème déjà depuis. Le problème, c'est là où tu allais répondre au téléphone. Et quand tu reviens, tu dis que maintenant tu pars. Il y a un problème. Tu viens de créer un problème. Bon. Mais est-ce que ce que ton mari t'a dit ou ta femme t'a dit est faux? Parce qu'il t'a dit, c'est ta belle-sœur qui vient d'appeler. Parfois, je peux sortir parce que les enfants font le bruit. Et puis, il y a aussi le tic. Ça dépend de là où la personne travaille. Il y a des personnes, par exemple, là où elles travaillent, ils sont obligés de s'isoler pour répondre au téléphone. Et c'est devenu un peu comme de l'habitude. Quand il va prendre le téléphone devant vous, il va un peu sortir. C'est devenu un réflexe. Il va s'éloigner des gens pour répondre. Et puis tout de suite, la femme va dire, quel frère, quelle soeur? Non, allons ensemble. Mais reste, je veux, non, non, non. Et ça va discuter, tu ne sors pas. Et puis pas après, il va prendre le téléphone, dit, appelle. Tu appelles comme ça, c'est ta belle soeur. Je dis, viens. J'ai connu une histoire où la femme était prête à tuer le mari, c'est dans le film. Le mari avait écrit chérie d'amour, mais au fait, c'était sa mère. Et la femme voyait plein de messages, mais tu es où? Il faut passer prendre le repas et tout, et tout. Donc le mari, il passait prendre le repas parfois chez la mère, il l'amenait même à la maison et mangeait. Mais le nom qu'il avait enregistré, sa mère, c'était chérie d'amour. Les appels vers chérie d'amour, là, beaucoup. Et puis un jour, ils sont à la chambre, et puis chérie d'amour appelle. Le mari à la douche. Ou un autre téléphone là, maintenant, on met le nom là. Elle ne regarde pas. Là, elle a dit aujourd'hui, je décroche. Dès qu'elle a pris le décrocher là, c'est elle-même qui est décrochée en même temps. Insultée. C'est trop, toi et ton mari, c'est comment, et tout, tout. Insultée. La belle-mère bloquée là-bas. C'est quoi? Trouve-toi ton mari! Grand! Fermé, posé là. Dès que le mari revient de la douche avec la serviette, il gifle. C'était le film. Le mari, c'est comment? Et chérie d'amour rappelle parce que la belle-mère ne comprend pas la réaction de la belle-fille. Ça a été toujours une complicité entre les deux. Et puis le mari, il revient comme ça, il dit. Mais qu'est-ce que... C'est là aussi appelé à l'heure, là. Voilà, c'est elle, c'est elle. Il dit, mais oui, mais c'est maman. Là, la femme s'arrête, il dit, quoi? Il dit, c'est maman. Il décroche. Oui, maman. Il dit, mais ta femme a quoi, le soir, là?
Parce que moi, je vois que tu as énervé ta femme là-bas, elle insulte tout le monde, même moi là, elle vient de me jeter. Il dit, bon, oui, j'ai énervé ma femme. Il dit, ah oui, mais calme ta femme, et puis demain, je vais voir dans la maison. Bon? Oui, maman, oui, maman. Après, il y a la femme. C'est maman. Là, la femme se rend compte que la rivière est sale. Elle a tout gaspillé. Mais comment faire? Et la belle-mère dit qu'il faut venir demain. Bon. Le mari a dit, les mots vont aller là-bas. Mais ça apprend la bagarre. Hein? Il y a toute une bagarre là pour suivre le mari partout dans la maison. Bon. Demain, il faut aller chez la belle-mère. Et puis, elle a acheté des choses pour demander pardon à sa belle-mère. Et tout. Elle a dit, non, maman, j'étais en colère. Je croyais que c'est encore les femmes là qui... Regarde comment mon mari t'a reçu. Il t'a mis, chérie d'amour, là, il y a problème. Donc, je n'ai pas su même que c'est toi, j'étais déjà rouge. Voilà, vous voyez. Attention à notre interprétation. Nous avons Jean 13, le verset 35 qui dit, comment nous connaître? Cela n'est rien. Notre spirituel, don, donation et sacrifice ne sont rien sans l'amour. Oui, sans l'amour, nous ne sommes rien. Comment on nous connaîtra? On nous connaîtra quand nous allons nous aimer les uns les autres. En fait, l'amour des enfants de Dieu est un signe qui dit qui nous sommes. On dit le monde attend avec ardent la révélation de quoi? Mais comment on va connaître ça? C'est par votre amour, par votre douceur, par votre patience. Même dans les entreprises, nous ne sommes pas patients. En route, nous ne sommes pas patients. Regardez, vous arrivez même à la pâtisserie, la personne que vous pouvez faire le désordre derrière les gens. C'est quoi? Je suis là, les bruits. Vous... Et nous-mêmes, on chante, le Seigneur dispose tout à ma femme. Mais si le Seigneur dispose tout, tu arrives. Un jour, je suis allé au marché. Le jour-là, j'étais avec maman Alice. Nous sommes allés au marché. Je devais me coiffer. Je crois que ma femme m'a dû me demander de payer quelque chose. Et donc, je l'ai laissé au salon de coiffure. Et je suis allé un peu plus devant pour payer soit du manioc, quelque chose. En l'instant, j'entends volo. On dit, on m'attrape au cou. Poulou. Il dit, tu es un voleur, tu as pris le manioc ici, tu n'as jamais payé. Je dis, moi, oui. Je vous dis, nous sommes là au marché. Nous sommes au marché. J'avais tous les droits de péter le câble. Il s'attire, et puis au marché, la foule. Oh. Je suis resté là, il dit, madame, tu te trompes. Je ne veux pas moi, je ne veux pas. Et il y a quelques gens qui connaissent que je suis pasteur qui sont arrivés, qui lui ont dit, ben, ça c'est le pasteur, hein. Il ne peut pas prendre ton manioc. Et puis elle a quand même ticket. Mais malgré ça, elle a dit, non, on va aller voir mon aîné, trop c'est trop. Donc, vous voyez, on m'a attrapé comme ça, et puis on passe chez son aîné. Bon, je l'ai su. On arrive devant, on voit l'aîné là en train de venir. Et puis l'aîné arrive, il dit, mais vous m'avez attrapé mon mari au cou, pourquoi? L'aîné, c'est qui la femme de mon oncle? Vous m'avez attrapé le mari au cou, pourquoi? Ses petites soeurs disent non. C'est pas lui qui a pris le manioc. Lui, s'il prend le manioc ici, c'est pour lui. C'est le neveu de mon mari. Ça, c'est un. Deux, c'est pas lui. Celui qui a pris le manioc, c'est un militaire. Lui, c'est le pasteur. Les maisons où vous êtes là, c'est pour lui. Il peut décider de nous chasser. Et c'était les petites soeurs de la femme de mon oncle. Ils ne me connaissent pas. Je suis resté là. Et là, vous voyez, dans ma tête, il y avait des chasselets, une lampe, et tout le reste. Parce qu'elle est veuve. Donc, elles sont là parce que moi, j'ai accepté qu'elles soient là. Je suis resté. Je vous dis la vérité. Beaucoup de choses ont défilé dans ma tête. Et puis, je les ai dit, bon, chérie, au revoir, je vais partir. Ils m'ont dit, non, je te donne le manuel. J'ai dit, non, ça va. Extraordinairement, maman Alice n'a pas dit bon. Elle était là, elle regarde. Je suis malade, je me suis coiffé et puis je suis allé à la maison.
Mais moi-même, quand je suis arrivé à la maison, je dis, waouh, j'étais patient aujourd'hui. Hein. J'ai donc gagné quelque chose. Je vous assure qu'on peut voir ça comme la blague, mais y arriver à se maîtriser sans péter le câble, c'est pas donné. Hein. J'avais déjà pété le câble depuis. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a. Non, ça c'est Dieu. Il m'a rendu les mêmes mots, le câble. C'est Dieu. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que je ne comprends pas qu'en plein marché, ce marché où Dieu, qui est le deuxième marché après potasse. Donc, on m'attrape à Total là-haut, on me traîne tout le marché là. On m'amène vers la pompe de Wendy. C'est à la pompe de Wendy là. On croise la grande soeur de jeune fille qui est la femme de mon oncle. Donc, on m'a déjà fait traverser tout le marché. Bon, je suis revenu au marché pour me coiffer. Après, j'ai pris le taxi, je suis parti. Voyez-vous, est-ce que je m'entends bien avec la famille? Oui. Mais c'est ma famille, ils sont dans ma maison, ils sont chez moi. Ce n'est que de cette manière qu'on saura que nous sommes des enfants de Dieu. Ce que l'amour nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, au verset 7, 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour nous dit que nous devons être patients. Nous devons être bons. Nous devons être justes. Nous devons être véridiques. Nous devons être humbles, contents et croyants. C'est aussi simple de la comprendre comme ça. Être croyant, c'est tout un problème. Être content pour tout, c'est tout un palabre. Être humble est un signe de faiblesse, est un signe de quoi, on va dire quoi? De faiblesse, oui. Être juste, c'est de ne pas vivre sur cette terre. Et comment être bon avec tout le monde, sachant qu'ils ne sont pas bons avec nous. Et comment patienter quand nous savons qu'il y a les gens qui ne sont pas prêts à respecter les queues, à respecter l'ordre, et le font au fur et au sud de tout le monde. Comment y arriver à être patient? Mais Christ, lui, il ne négocie pas avec nous. Il ne nous donne pas le choix. Il nous dit, nous devons, un, nous aimer. Moi, je parle que quand on dit, vous devez vous aimer, j'ai envie de dire que c'est un ordre. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est-à-dire, vous avez l'obligation de vous aimer. Donc, ne pas aimer est déjà désobéir à Dieu. Mais aimer, c'est quoi? Et nous avons compris qu'aimer, c'est être patient envers la personne qu'on aime. En croyant qu'elle va changer. En croyant qu'elle va faire mieux. En croyant qu'elle va changer par rapport à une situation ou à un comportement. Espérer. Même jusqu'à mourir en espérant que la personne va changer. Dieu, il est patient envers nous. Parce que l'amour de Dieu qui aime tout le monde est resté patient. Vous voyez les païens? Et même quand on parle du péché, Dieu nous a pardonné, mais nous continuons à pécher. Mais c'est parce qu'il est patient. Parce qu'à chaque fois que nous venons confesser le péché, il nous pardonne en espérant qu'on va faire mieux. Est-ce que vous comprenez? En espérant que nous allons faire mieux. Il est patient envers nous. En espérant qu'on va faire mieux. En espérant que nous allons partir vers là où le péché va disparaître dans notre vie. C'est-à-dire si je péchais 7 fois, Dieu attend à ce que jour après jour, le nombre diminue. Mais Dieu est resté bon avec nous. Et Dieu est bon également même avec les méchants. La bonté de Dieu ne se discute pas. C'est pourquoi il dit, si tu es de Dieu, alors tu dois être amour. Regardez le soleil. Dieu donne la force même à celui qui l'insulte. L'homme qui se croit au-dessus de tout, Dieu lui donne la force.
L'homme qui pense qu'il peut tuer Dieu, Dieu lui donne la force. Ça dit quelqu'un mange, quelqu'un boit, quelqu'un fume, et il insulte Dieu, mais Dieu lui accorde la journée. Dieu est bon. Cette même personne, après avoir insulté Dieu, conduit un véhicule. Dieu lui laisse arriver chez lui. Dieu est bon. La personne a insulté Dieu, mais il fait le champ. Dieu laisse pousser. Dieu est bon. La personne menace Dieu. Il va en brousse faire la chasse. Dieu le permet d'aller et de revenir. Dieu est bon. Mettons-nous à la place de Dieu. On peut donner l'ordre à un serpent. J'ai souvent dit, si on a un conflit avec les autres, et que tu sais qu'il est entre tes miens, combien de temps tu résisteras pour lui faire mal? Combien de temps? Mais tu dors là en forêt, tu dors dans ta maison, Dieu sait même que dans ta maison, il y a un serpent qui est rentré. Mais il n'a jamais envoyé le serpent à te mordre. Et pourtant, tu viens de l'insulter. Tu veilles sur l'arbre, le serpent en haut. Dieu peut le faire bien tomber sur toi et te mordre. Dieu ne le fait pas. C'est pourquoi je dis, ah Seigneur, s'il y a une chose que je ne peux pas demander à Dieu, c'est que Dieu me donne son trône même pour 5 minutes. Vous allez voir la terre. Admettons qu'il te prend. Dieu te dit, bon, viens, remplace-moi une semaine. Tu ne vois pas que tu as l'occasion de régler un peu quelques conflits. Le temps que Dieu revient, il trouve que la moitié de la terre est finie. Le jugement a déjà eu lieu. Mais Dieu reste patient. Dieu est juste. Il n'est pas juste envers ceux qui sont seulement juste envers lui. Mais quand quelque chose est juste, et que c'est Dieu qui doit trancher, la justice de Dieu prime. Dieu, il est véridique. Dieu est humble. Hein? Dieu est vraiment humble. Je vous assure, bien aimé, notre Dieu est grand, il est redoutable. Mais une des qualités qu'on ne connaît pas de Dieu, c'est l'humilité de Dieu. Dieu vient manger chez Abraham. Dieu est humble. Dieu découpe le pain et il sert. Par sa réincarnation à Jésus, il donne le pain. Dieu est humble. Hein? Regardez comment sont aujourd'hui dessinées nos églises. Regardez comment sont dessinées nos nations. Les chefs, ils ont un endroit qu'ils s'assoient, on les sert. Leurs fauteuils ne sont pas les mêmes que nous. Ni leurs habits, ni leurs voitures. Les leurs sont différents que les nôtres. Mais Dieu, il utilise la même voiture que nous. Dieu utilise les mêmes vêtements que nous. Dieu dit même que notre vie est mieux que les vêtements. Notre vie est mieux que le manger. Dieu, il mange le repas que nous, on mange. Pendant que les autres qui se disent glands ne mangent plus les mêmes choses que nous. Dieu humble. J'ai envie de vous dire pourquoi il dit l'humilité précède la gloire. Parce que quand tu es déjà haut, tu n'as plus Dieu. Dieu n'est pas haut. Quand tu es haut, tu as raté Dieu. Quand tu vis en haut, tu n'es pas avec Dieu. Je ne suis pas en train de parler des étages. Je ne suis pas en train de parler du ciel. Mais de l'état de notre cœur. De l'attitude que nous voyons des autres. Les amis, Dieu croit en lui-même. Dieu excuse tout. Vous allez me dire, mais oui, quand on dit l'amour pardonne tout, l'amour pardonne tout, Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout, oui, tout. Même les injures en son nom, Dieu pardonne. Le vol en son nom, Dieu pardonne.
Regardez, nous avons aujourd'hui beaucoup d'églises qui raquettent les gens l'argent en son nom. Oui. J'ai vu la dernière vidéo du Gabon. Le prophète est là. Il a mis le corbeil là. Et il a juste posé sa main. Il dit, vous touchez ma main, vous déposez. Le dernier billet, c'est 10 000. Ne venez pas avec le reste. Je parle là sur les médias. Ça se passe au Gabon, à Libreville. C'est le prophète Emmanuel. Et il vient. Ça, c'est la corbeille, ça, c'est sa main. Donc, quand vous venez avec l'argent, vous lui touchez d'abord avant de poser dans la corbeille. Mais je vous assure que ça bougeait. Dieu ne demande que 10% de votre argent. Et pourtant, vous ne cessez de critiquer Dieu, mais il vous bénit. Oh, les dîmes, c'est quoi? Mais Dieu vous donne le travail. Les dîmes, oh, Dieu aussi, mais il vous donne le souffle de vie. Et même quand tu ne donnes pas la dîme, il ne te tue pas. Dieu est amour. Et bien aimé, nous devons aussi nous aimer comme Dieu, il nous aime. Soyons amour. Soyons patients envers les autres. Soyons bons envers les autres. Afin que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Je termine en disant, vivons avec la différence. C'est d'être enfant de Dieu et non de serviteur. Parce qu'un serviteur peut ne pas être un enfant. Mais un enfant peut servir son père ou servir sa mère. Et soyons des enfants qui servent le père et non les serviteurs dans la maison de Dieu. Soyons des enfants. Parce qu'un enfant ne travaille pas pour avoir l'héritage. Il est l'héritier. Il ne travaille pas pour ça. Il est déjà enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Seigneur, merci encore pour ce moment. Seigneur, merci pour ce temps que toi seul, le véritable Dieu, nous accorde pour pouvoir passer avec toi. Merci. La gloire est à toi, la louange est à toi. L'honneur est à toi et la victoire est à toi. Au nom de Jésus, amen.